Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire le défi de Colle tout partout. Donc c'est sur le corbeau. Voilà, sur le corbeau. Et du coup, on va essayer de se lancer là-dessus. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était... Alors j'ai pris ma feuille, une feuille de... Je perds toujours mes notes. C'était 20, je crois, sur... je sais plus. Ici. En fait, je prépare et après je termine. Alors, c'est sur une lettre. Une lettre. Oui, j'ai une lettre, de toute façon. C'est sur une feuille de 20 sur 13. Donc, le thème, c'est le corbeau. Alors, qui dit le corbeau, ça veut dire les gens qui lancent de fausses accusations par lettre et tout ça. Hein. Donc, ça s'appelle un corbeau. Alors, je vais d'abord, donc j'ai pris la feuille au café, hein, voilà. Je vais d'abord imprimer sur le fond de l'écriture, un peu par-ci, par-là. J'ai besoin de l'écriture. Donc, je suis en train de me demander, il faut, alors j'ai découpé mon corbeau comme ça, parce qu'après je vais le remettre dedans, dessus. Donc ça, ce sera le corbeau de mon papier. Je vais en mettre un petit peu léger. Pour que ça colle de trop. Du repositionnable, puisqu'après, je vais l'enlever. Donc, hop, celui-là, il est là. Comme ça, déjà, je ne veux pas imprimer dessus. Ah, ça colle. Ça colle, colle. Alors, on va... Comme c'est un peu aléatoire, parce que je vais avoir des blancs, comme on dit des fois en jargon, sur ma feuille. Donc, il faut que j'imprime aléatoirement. Hop. Par contre, j'aime bien ce tampon, mais vous voyez, voilà, ça imprime pas suffisamment. Mais pourtant, il faudrait que ce soit plus imprimé que ça. Alors, bon, on va recommencer. Hein. Ça va être trouble, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Je me vais quand même. J'ai un peu de problème en ce moment de santé. Et du coup, je suis embêtée. Voilà, je suis embêtée pour me mettre debout, je suis embêtée pour être assise. Comment on peut pas s'arrêter là? Voilà. Vous allez comprendre pourquoi j'ai que c'est pour couvrir les blancs en fait. Hein. Ça va être assez compréhensible. Ici, ça m'embête un peu parce que je ne m'en rappelle plus si ça va être découvert ou pas. Je crois pas. Non. Bon, mais ça va. Pour moi, ça va. C'est satisfaisant. Voilà. Donc. Jusque là tout va bien. Tout va bien. Oui, ça paraît un peu bizarre, mais tout va bien quand même. Alors, j'ai pris ceci. Alors, je vais en mettre un là. Et du coup, je vais tirer mon corbeau. Parce que là, vous voyez, c'est sans marque. Je vais coller ce morceau ici. Comme ceci. Alors là, ça m'embête, je sais pas trop comment le mettre celui-là. J'aurais bien comme ça, moi. Je vais toujours le découper après. Hein. Comme ça. On va déjà coller ça. Non, parce que ça va venir par-dessous. Donc là, déjà, c'est pas droit. Alors ça m'embête. Ça m'embête, mais en même temps, il fait combien celui-là? Ma petite marée. On prend dans l'autre sens. 13. J'ai dit combien? J'ai pas dit 13 moi tout à l'heure. 13. On va essayer de voir si je peux retailler 13. Alors. Ça m'ennuie un peu, on va dire. C'est pas droit. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est pas droit.
Et je vois pas. Ah bah si, voilà. 13. Hop là. Là c'est droit. Donc. Et là, on va mettre ça comme ceci. Et comme cela. Bon, on va faire comme ça. Là. Même si c'est pas tout à fait. J'aurais dû couper là. Alors si je coupe là, je coupe combien? Il me faut un morceau de 6. On va dire 6. Donc celui-là, je ne le veux pas. On va dire 6. On verra bien si ça va ou pas. Hein. Hop là, on enlève. Un morceau de 6. Donc on va coller ça. Ça, j'en aurai encore besoin après. Donc on va coller ça. Ma colle. La colle qui glisse. Hein. Ah, peut-être l'ouvrir peut-être pour le coller, non? Moi je crois. Hein. Hop là. Alors, je vais quand même mettre, je voulais pas le mettre bord à bord, mais je vais quand même mettre bord à bord. Voilà, toc. Ça me fait un fond. Ça va cacher un peu l'écriture, mais je voulais que là. Ah! Ah si, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je croyais que j'avais fait une bêtise, mais c'est bon. Voilà. Et celui-ci ici. Comme ceci, bien, bien, bien. Ça va bien, bien à ras là. Voilà, donc ça donne ceci. Ça donne pas grand-chose, me direz, mais ça donne ceci quand même. Voilà. Donc, ensuite, ce que je voulais faire. Je voulais reprendre mon corbeau et le mettre là, donc, hein, ici, puisque c'est là qu'il ira. Voilà, je le repositionne. Ne cherchez pas à comprendre, vous allez voir après. Ensuite, ce que je veux faire, c'est un mur de pierre. Alors, on va voir ce que ça va donner. Hein. Je ne garantis pas, je ne garantis rien. J'adore ce tampon, je l'adore. Il dépasse là un petit peu. Ouais, ça fait rien. Il manque jusqu'en bas, c'est bon. Là, et même si ça fait pas tout à fait ce que je veux, ça ira quand même. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, par contre, je vais mettre du noir. Alors, je vais essayer de pas en mettre de trop. Donc, je sais pas en mettre de trop, donc on va faire un peu léger, on va dire un semblant de mur. Voilà. Alors, ce qui est embêtant avec ces tampons, avec ces doigts, c'est que ça s'abîme très très vite. Ah, mais j'aurais pu le faire avec ça. C'est vrai. Peut-être que ça irait même mieux pour faire avec ça. Tiens. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner.
Non. Pourquoi un mur de pierre? Bon, j'en sais rien, parce que j'ai envie de mettre un mur de pierre. Voilà. C'est un des derniers tampons d'ailleurs que je vous présente, je vous ai présenté dans mon haul Temu. Et je vous avoue, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je crois qu'on va arrêter là. Hein. On va pas faire plus. On va voir ce que ça donne déjà. Si c'est pas trop moche. Bon, alors étant donné que c'est de l'encre. Sèche pas vite. Ah bien. Ah j'aime bien. Moi personnellement j'aime bien. Ça je vais le laisser là. Et je le frotterai après. Voilà. Donc voilà. Ça donne ceci. Et là je vais tirer mon corbeau. Par contre je devrais bien laisser. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Il est où ce corbeau d'ailleurs? Ah, il est là. Voilà. Donc, pour mettre ce corbeau, ça va être un corbeau quand même. Hein, il me faut ma plaque. Ma plaque, celle-ci. Si quoi, je me le rate. Donc, je prends ça. Je libère de la place. Hop. Et je mets ça ici. Alors peut-être que je renforcerai quand même mon papier. Comme c'est un papier au café, le problème du papier au café, si vous voulez, c'est que c'est fin. Donc je mettrai peut-être un craft derrière. C'est ça qu'on dit un craft. Hein. Là, il faut que ça tienne parce qu'il va falloir que j'appuie très fort quand même sur mon tampon. Alors, qui est là et qui doit venir comme ceci. Voilà. Entre les pierres. Alors, ce qu'on va faire. Il y a du noir en dessous, c'est pas grave. De toute façon, ça a du noir dessus. Hop. Bien le tamponner et on va se lever. Je vais l'avoir du premier coup. Alors j'aurais pu en mettre un autre comme de corbeau que celui-là, mais il faut de la place pour les lettres. Un tout petit peu. Alors, je vais remettre un petit peu de, parce que là ça fait une ligne, du coup une ligne de coupe, donc on va remettre un petit peu, surtout là, là, ici, là où il y a la ligne de coupe pour marquer un peu plus fort. Alors non, je ne voulais pas mettre la découpe. Bon, bah ça ira. Vous voyez, la ligne, elle reste dessus. C'est dommage, ça. J'essaie de pas trop bouger. Non, la ligne reste dessus. Ça gâche un peu mon truc, du coup. Ça gâche un peu mon effet. C'est vrai que c'est dommage qu'on voit le trait là. Je vais voir si je peux rattraper ça. Alors, jamais assez de place. Hein. Jamais assez de place. Donc, on en est là.
je vais prendre un feutre noir si j'en ai un feutre noir ici, je prends la pointe. Oui, on va essayer de rattraper un peu. Voilà, c'était ce trait qui m'embêtait là. Là, ça va mieux. Donc déjà, ça nous donne ceci. Ensuite, j'ai des lettres à disposer que j'ai déjà découpées, hein, que notre amie Sylvie nous avait dit, attention, attention, ça prend beaucoup de temps. Alors, mon titre, c'est The Corbeau. So British. Alors c'est un titre anglais en fait. Alors le nom exact c'est, je vais vous le donner parce que j'ai noté quand même, mais je n'aurai pas eu de place assez pour le mettre. Le nom exact, j'ai quand même fait des. Hein. C'est Scandaleusement Votre. Et c'est un film de 1943. Donc ici je vais mettre 1943. Là je vais essayer de mettre Le Corbeau. Il me faut. J'avais pensé de le mettre en machin, mais ça va pas aller. Alors, on va coller, hop, cette colle-là. Parce qu'elle est plus. Elle tient mieux, on va dire. Donc, il faut qu'on s'organise là. Attention, hein, c'est sérieux. Hein. Donc, comme ceci. Donc, le corbeau. C'est le corbeau anglais. Voilà. J'étais un peu surpris du titre, mais c'est ça. Et alors, il faut arriver à tout mettre quand même. Hein. Voilà. J'ai pas mesuré, hein. Je sais pas du tout, du tout si ça va aller. Donc je fais un peu aléatoire. Ah, je suis sage quand je colle. Hein. Hop là. Alors, je suis pas très très enfant ces derniers temps. Alors, pour avoir rendez-vous chez le médecin. Hein, vous savez de bonheur, hein. On a le temps de passer l'arme la gauche. Ah non, mais je le dis parce que franchement, moi je fais des nuits blanches. C'est horrible. Et donc celui-ci, on va le mettre. On va essayer d'éviter de le mettre trop sur le corbeau. Ah mince. Je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre sur le corbeau. Bah, comme si que la lettre elle était tombée, tiens, toc. Pourquoi pas, ça se peut, hein. Alors ici là alors au départ je vais. J'avais dans l'idée de mettre des, comment dire, des. Alors ça, je dois savoir le placer ici. Vous savez, des morceaux de phrases, tout ça. Après, je dis, comme je me suis dit, c'est peut-être pas.
Est-ce qu'il ne faut pas vraiment mettre un titre de film? Je ne sais pas exactement. Alors je me suis dit, bon, allez, je vais faire comme ça. On verra bien. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Alors j'avais ces petits tampons là. Je ne sais même pas que j'avais encore ces tampons. Moi. Si à un moment donné, j'ai donné pas mal de matériel dans des, comment je vais dire, des trucs de bricolage. Du coup, je ne savais même pas si j'avais encore ce genre de tampon. Je croyais pas trop. Puis, je suis tombée dessus par hasard, en cherchant en fait. Hein. Non, non, mais j'ai cherché quand même. Le corbeau, c'est dommage, je vois pas du. Enfin, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Allez, hop, on va pas revenir là-dessus. De toute façon, si je le défais, j'arrache tout. Voilà. Et donc, la date. Comme ça, si vous voulez chercher sur internet, vous le trouverez. Oui, heureusement j'ai fait les lettres hors caméra. Parce que vous avez vu, ça va vite hein, quand même. Hein. Ça défile très vite. Hein. Bon, j'ai une main très sale. Parce que je me suis servi beaucoup d'encre noire. Voilà. Oh, j'en ai mis un petit peu de trop là. Et je mets mon chiffon. Hop, il est là. Voilà. Donc, le résultat, il est là. Il est là, il est là. J'ai perdu mon épingle, non, il est là. Je crois que je la perds. Oui, j'aurais pu mettre, comme je disais, j'aurais pu mettre le corbeau dessus. Le problème, vous voyez, c'est que ça aurait pris trop de place. Et je trouve que comme ça, c'est mieux. Donc voilà, on va mettre un peu de... Mais je crois, je vais renforcer quand même le derrière avec un papier. Alors, elle nous disait qu'il fallait faire comme des plis, des déchirures, des trucs comme ça. Le problème, c'est que ben, si on fait ça, moi je viens, hein, mais si on plie, enfin on peut plier, hein, on plie, hop, des plis, on peut faire des plis, hein, toc, toc, toc. Des plis, on peut, hein. On peut plier hein. Mais moi j'ai peur qu'on décolle à chiffonner, chiffonner je veux bien aussi hein. Mais chiffonner voilà hop hein Sylvie finalement parce que des plis même en faisant des plis ça se voit pas trop trop chiffonner, allez on chiffonne, ça fait peur hein, ben moi aussi ça fait peur, mais comme Sylvie a dit qu'il fallait chiffonner, moi je chiffonne, hein. Voilà, donc c'est chiffonné, mais ce sera quand même sur un, je me suis quand même à fond, hein. Donc voilà, Sylvie est chiffonné, hein. Chiffonné, chiffonné, hein. Donc voilà, voilà ma création, hop, du coup je vais la mettre là parce qu'elle tient plus droite, voilà. Le défi pour Sylvie colle tout partout avec le titre The Corbeau So British qui veut dire en français scandaleuse, oh là là, scandaleusement votre. Voilà. Alors je ne sais pas si tu aimeras ma création ou pas, si le défi attire le relevé ou pas. Je mettrai une photo comme d'habitude. Hein. Et ben, sur ce, un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire si vous le voulez, et puis on voit même plus mes lettres que j'avais fait là où il y avait des trous, mais c'est pas grave en fait. Hein. Voilà, l'idée est là. Je regarde avec vous, je regarde mon machin,
Donc Sylvie, tu me diras si mon défi a été relevé. Et puis sinon, que dire d'autre? Ben, je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, faites attention à vous. Moi, j'attends avec impatience mon rendez-vous chez le médecin. Voilà. Oui, je suis un peu dépitée parce que là, franchement, c'est quand même assez urgent. Et... C'est comme partout ailleurs. Il manque de médecins. Allez, je vous laisse. Allez, sur une note positive. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.